Eh bien bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Top Top. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite des reliques sur Crash Bandicoot 2 version Ensign Trilogy sur PlayStation 4. Et aujourd'hui on se retrouve pour le niveau Air Crash. Alors pour ce niveau, vous perdez pas de temps et là malheureusement j'ai des drogues. Alors pareil aussi, vous voyez pourquoi là vous dites mais pourquoi tu fais pas des grands sauts? Tout simplement parce que faire des grands sauts ça me ralentit. Malheureusement, et je peux pas me permettre de faire des grands sauts tout le temps. Parce que sinon je vais perdre beaucoup de temps. Et ça c'est pas bon du tout. Donc en faisant des petits sauts, ça passe beaucoup mieux. C'est pour ça que je vous conseille aussi de réussir à faire des petits sauts comme il faut. Et on fonce, c'est très bien. Ça s'est pas fait toucher, c'est parfait. Là ici, si la plateforme n'est pas là, voilà, vous faites un saut comme ça, ça passe. Hop, punaise, et là je suis pas dans le bon timing. Donc malheureusement je perds un temps de dingue. Ah c'est pas vrai. Allez fonce. Ok bon là c'était la TNT qui a pété, donc c'est tout à fait normal. Allez allez allez, fonce. Fonce fonce fonce. Pas de temps, ok c'est pas grave. Pas de problème avec ça. Là pareil, on fonce, on perd pas de temps. Allez, 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 et voilà, 57-39, très bien. Voilà, en plus, vous voyez, j'ai encore battu mon record. Ce qui est très très bien. Impeccable. Allez, on s'arrêtera donc pour cette vidéo. Et la prochaine fois, on s'attaquera au niveau Ferrite avec le petit ourson, avec le petit polar. Voilà, je vous montre encore une fois le temps que j'ai fait. Voilà, pour vous montrer que j'ai bien eu l'or. Et en attendant, bah moi je vous dis à la prochaine tout le monde.